Ah, je vais vous griffer, les mecs, là. Oh, je suis énervé. Et là, je suis déjà en train de me gratter les couilles, alors que c'est HRP de se gratter les couilles en étant déguisé en Dimitrescu ou pas, les mecs? Ah, c'est le bordel, hein. Et je vous dis pas l'attirail que c'est d'être une damoiselle, hein, si je puis me permettre. Attendez, parce que là, regardez, déjà le chapeau. Bon, le chapeau, il tient quand il veut. Le front, vu qu'il fait 15 km, c'est compliqué. En plus, je suis surexposé. Attendez-moi ça, là. J'essaie quand même de vous faire la chose la plus stylée possible. Voilà. Ah, comme ça, on est bon, les mecs. Hein. Vous avez des petites chouches, comme ça. Là, on est bon. J'ai décidé de garder la moustache. Mais au moins, comme ça, on est prêt. Ah, mais attends. Ah, ça fait plaisir de vous revoir, les mecs. Hein. Fly go, je borde. J'espère que ça va, les gars. Je suis content de refaire un petit live. Je vous avoue que je suis très occupé en ce moment pour un truc que vous apprendrez très très prochainement. Mais voilà, alors c'était compliqué pour Lady Sunday parce que déjà, vu qu'on se voyait une seule fois par semaine, à chaque fois elle me faisait des petites mesures et tout. Je vais vous mettre de la musique, hein, vous inquiétez pas, mais la musique fait peut-être un peu moins fort en attendant qu'on lance le jeu. Mais c'était difficile pour Lady Sunday parce que vu qu'elle me voyait qu'une fois par semaine, elle m'a fait des retouches. J'étais en train de me foutre à poil dans l'open space chez le stream. Et autant vous dire que c'était technique, donc on a fait ce qu'on a pu. Là, il y a juste le souci, je pense, c'est ça, tu vois. Faudrait qu'on le refasse un moment, s'il y a une autre occasion pour que je puisse m'habiller comme ça. Genre, si j'achète peut-être, ne serait-ce qu'un petit jacuzzi, au moins je piquerai les viewers de personne, mais il y a moyen de se faire un petit peu de sous-sous, non? Vous êtes pas d'accord, les mecs? En tout cas, ça fait plaisir. Très content, bien adoré, de pouvoir vous faire ce stream, les gars, je suis très content. Ça fait très très longtemps que j'attends Resident Evil et là on va enfin pouvoir le faire ensemble. Go faire du hot tub. C'est quoi ça? Bah c'est moi, c'est Lady Dimitrescu. Streamer piscine, c'est devenu une nouvelle catégorie, les mecs. Hein. Cosplay réussi. Bah vraiment, c'est sûr que ça allait pas être parfait, c'est sûr et certain, mais étant donné qu'avec Lady Sunday on s'est vraiment vu, parce qu'elle avait un autre cosplay à finir avant, on s'est vu aller 3 fois en 3 semaines. Et la dernière fois c'était hier, mais elle avait plus rien à faire parce qu'elle a dû faire ça super vite. Là, je vous dis les gars, la robe, je l'ai enfilée. Regardez ça, je l'ai pété instantanément. Il faudrait que je referme ça. Twitch n'aime pas ça. Hein. Mais je l'ai pété directement, tu vois. Oh, attendez, il y a un nichon qui veut se barrer en plus. Et je vous dis pas l'horreur que c'est. Les tchouches. Alors pas en soi, j'adore ça, hein, y a aucun souci. Je vous respecte, mesdames, mais c'est juste que là vous vous rendez pas compte, mais là. Voilà, ça c'est la collerette, c'est super serré cette merde. Ensuite, ça s'arrête ici, voilà, ça me serre les aisselles comme pas possible, et en plus de ça, là aussi ça serre. J'ai l'impression d'avoir un putain de corset horrible, donc c'est compliqué, hein. Et puis le maquillage, bah, c'est Manuel qui me l'a fait, mais elle a pas été briefée, je trouve qu'elle s'est très bien débrouillée, donc moi je pense sincèrement, s'il y a un mec qui fait des courts-métrages dans le chat et qui est chaud, on peut vraiment faire quelque chose, hein, sincèrement. Le toucher est réaliste. Vraiment, c'est assez bluffant. Je les ai essayés dans l'open space de le stream il y a 2 semaines, 3 semaines. Tout le monde était sous le choc. Mais tu vois, par contre, c'est peut-être un peu trop mou. Mais le toucher est assez dingue quand même. Hein. Bon. Après, les gars, je suis désolé, mais ce sera peut-être note sur prof d'ESFAP. Hein. Autant vous le dire. Il y a peut-être un petit souci. Montre tes feet. Alors non, les pieds, les gars, petit souci. Pour vous raconter un petit peu le lore derrière tout ça. C'est vrai que j'y pensais tout à l'heure, on dirait un peu l'Undertaker quand même. Hein. Je peux faire un tombstone de nulle part, on sait pas. Hein. Mais il y a un truc, c'est que moi je chose du 47. Vous êtes peut-être au courant, mais je chose du 47.
Et des talons en 47, bon, comment vous dire que c'est peut-être un petit peu le plus la taille la plus compliquée à trouver sur le marché. Hein. Donc, merci Tix pour tes abonnements offerts, ça fait très plaisir. Merci pour Bruce, pour Waver, pour Crépinois, Lelux, Punitala, et merci tout à l'heure Stereo Poney, Kylie qui s'est abonné, Mokitoki, Anto, Tix lui-même, LOL, Boost, Spillfield, Pierrot, Daryl, merci les gars pour vos resubs, ça fait plaisir. Pas farouche. Pas farouche la gueuse. Hein. Ah, vous êtes un lébran, mais vous êtes bien bonne. Mais en vrai, attendez, du pognon. Il y a quelque chose. Bon, après, ce qui me saoule, c'est que, en fait, les seins. Alors. Pour tout vous dire, on a essayé de faire le cosplay qui coûtait à peu près le moins cher pour que ce soit pas trop compliqué, etc. C'est un cosplay qu'on a acheté sur AliExpress avec Lady Sunday. Merci Stéroponé, mais je tiens à répéter que je ne suis pas une streameuse hot tub, donc ce n'est pas la peine de me donner autant de subs. Merci beaucoup Stéroponé pour tes 5 subs offerts, ça fait plaisir. Mais on a fait un cosplay sur AliExpress. Et les seins, alors ils sont pas mal, le souci c'est que ils sont extrêmement collés. Genre, c'est... du pognon. Ils sont trop serrés, les mecs. Donc, il y a un petit souci. C'est-à-dire que ils pointent comme ça. Tous vers Namek. Donc, c'est un peu compliqué. Mais bon. Inscris le nom des subs du sur ton pognon. Sort. Ah, je savais que vous alliez me demander ça, les mecs, mais c'est hors de question. En tout cas, très content du cosplay. Pour le peu de temps qu'on a eu, franchement, c'est propre. Donc, il y a un petit truc. Moi, tout ce que je veux, c'est que ça vous plaise. J'espère que ça pognon. Vous plaît, les gars. Vu que c'est quand même le jeu peut-être que j'attendais le plus cette année, et bah on sait toujours pas quand est-ce qu'Elden Ring sort, donc c'est chiant. Mais vu que c'est le jeu que j'attendais le plus cette année, bah je voulais faire un petit truc stylé. Donc j'espère que ça vous plaît. Du coup, le programme de la journée, les mecs. Vous le savez, alors on va pas faire du FIFA, hein. Là ce soir c'est... c'est pas le FC RE contre les croutons ce soir, autant vous le dire. On va jouer à Resident Evil, hein. Je pense que on va faire le 4-5 heures ensemble, où je serai en Dimitrescu. Après, autant vous dire que je suis sous un Velux, il fait très très chaud. Je pense que le maquillage va couler, et pas que, et des fluides corporels qui vont s'émaner de ma personne. Donc au bout de 5 heures, peut-être que j'irai prendre ma douche, une petite pause, et ensuite on reprend ensemble. En vrai, j'ai envie de faire le jeu tout entier avec vous aujourd'hui. Je vous le dis, je vous le crie, j'ai vraiment envie de faire le jeu tout entier avec vous aujourd'hui. En plus, ça me casse les couilles, j'ai vu des streamers hier qui respectent pas les NDA. Normalement, on n'avait pas le droit de streamer le jeu hier. Ou alors, il fallait cacher énormément de trucs. Ça me pète les reins, j'ai l'impression à chaque fois que moi je me fais baiser alors que le jeu, j'aurais pu streamer plus tôt. Bref, on y va les mecs. On lance Resident Evil et on se fait plaisir. Un petit let's play à l'ancienne. Vous êtes 1600... Je tenais grandement à vous remercier parce que je sais que pour ceux qui me suivent beaucoup, j'ai pas été très régulier ces derniers temps et c'est pour une raison. Et je sais que je vous en avais ras le cul que je vous dise à chaque fois c'est pour une raison, machin. Mais vous comprendrez une fois que vous le saurez et vous le saurez avant la fin du mois, il n'y a aucun souci. Je lance le jeu, j'ai fait des tests d'enregistrement normalement sur le jeu. Ça devrait être ok. N'hésitez pas à me dire au début si le son, si la qualité ça va pour vous du coup. Comme ça, on sera fixé. Comme ça, j'ai plus rien à toucher. D'accord, les mecs. Merci beaucoup, Happy Duck Life, pour ton 3e mois d'abonnement. Et merci, Kirsnip, pour ton Prime. Ça fait très, très plaisir. J'espère que ça va. Petit souci. Enfin, s'il y en a qui sont déjà en train de se branler, je vais vous couper tout de suite l'envie. Mais regardez-moi ça. Je ne me suis pas rasé les pattes. D'accord. Ça, c'est du poil. C'est directement. Et ça va. Hop. Et en plus, j'ai un boxers. D'accord. Donc, si ça, c'est pas sexy du tout, au moins, ça vous coupera toute envie. Hein. Bah, bah, bah. Vous allez griffer votre écran, là, les petits chatons, hein. Oh là 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 là, les coquins. Oh, les coquinous. Ça donne encore plus envie. Ah, vous êtes dégueulasse, putain. Bon, alors, attendez. La capture du jeu. Alors, bien sûr, je pourrais faire comme certains... Enfin, certaines, et mettre ma caméra qui fait deux tiers de l'écran, mais... Du pognon. Je me permets de me recentrer sur le gameplay, ça vous va? FC Chouch dans le chat. Est-ce qu'au niveau du son, le son du jeu remonte? Du pognon. Vous voulez que je fasse... Attendez, je fais un tour. Comme ça, vous pouvez en profiter. Quelqu'un veut me sucer dans le chat, là? Lénivar. Ah. Voilà. Vous étouffez pas, les mecs. Hein. On est ici avant tout pour se faire plaisir. Les gars, dites-moi si au niveau du son, c'est bon. Le son de la musique, pas trop fort. Le son de la musique. Le son du jeu, pas trop fort. Vous m'entendez bien aussi?
que j'essaye de voir si c'est parfait pour vous. Normalement, je pense que ça devrait être bon. Je vais baisser peut-être un peu. Et on sera good. Du pognon. Merci Samouille. Tiens, c'est très accurate comme pseudo. Merci Samouille, merci Meliodas, merci Ekam. Et merci Marion Sailor Moon pour ton sub. Ça fait très très plaisir. Merci beaucoup. On dirait une vieille tata dégueulasse et alcoolique à un mariage. Bah, je suis d'accord, mais encore une fois, la personne tout à l'heure qui a dit on dirait l'Undertaker, c'est vraiment ça. Hein. C'est vraiment l'Undertaker en fin de match après s'être fait tabasser par Brock Lesnar. Hein. C'est exactement ça. c'est Mercotte. Putain, Mercotte. Ah, c'est Mercotte dans la jeunesse. Hein. Ça te plaît, Damien? Regarde-moi ça. Tu veux pas me faire... Hey, Damien, tu veux pas me faire 100 sub-gift, là? Avec la vue que t'as? S'il te plaît. Un petit truc, quand même, Damien. Du pognon. Merci, Indinotaur, pour ton 4e mois d'abonnement. Est-ce qu'on est parti, les mecs? Vous êtes prêts? On se met dans l'ambiance. J'ai presque envie de mettre un tissu sur le Velux pour pas que ça gêne. Et comme ça, on est dans l'ambiance, il fait tout noir. Je vais trouver un truc. Écris mon prénom sur Lenny Barbo. J'ai pas que ça à foutre, Damien. Tu commences déjà. Il est exigeant, le mec. Vous allez voir encore un peu du paysage. Je fais vraiment pas ça exprès, hein. Je veux que vous le sachiez. C'est uniquement pour le setup du live, d'accord? Ah là là, mais quel dommage. Putain, mais j'arrive pas, hein. Vraiment, setup ça va être compliqué. Alors attendez. Ah, c'est pas facile tous les jours, je vous le dis, hein. Streamer comme ça. Du pognon! Merci pour le pognon. Hop. Alors attendez, tac. Tac. Bon, je pourrais pas faire plus, je crois, les gars. Je pourrais pas faire plus, malheureusement. C'est compliqué. Ouais. Je peux faire que ça. Ah! Belle vallée. Ah bien sûr que non, je me suis pas épilé les bras, tu crois quoi? Tu penses que Lady Dimitrescu, elle a accès à ce genre de technologie à la maison? C'est quoi ce bordel? Ouais, s'il te plaît, quand même. C'est le château Dimitrescu, un peu de respect. On est bon? Vous êtes prêts les mecs? C'est tout ce que je peux faire niveau luminosité pour l'instant. Écrit Hydracide sur les nids Chantal et Game Girl STP. Merci ma belle. J'ai pas de stylo, Damien. J'ai pas de... Je suis en train de ruiner mes nibars là. Ça marche pas. On dirait. Du pognon. Ah, je peux pas faire plus. C'est un gribouillis, tu verras rien d'autre, mais c'est tout ce que je peux faire, Terra. J'espère que ça te plaît. On est parti les mecs. Bon normalement vous m'avez dit qu'au niveau du son c'est bon. Standard, on n'est pas là pour se faire du mal, hein. Autant vous le dire les mecs. C'est parti, les gars. Long ago, a young girl went with her mother to pick berries for her father, who was hard at work. But the forest greeted them with a dark, cold silence. C'est bon le son, les gars? Yet determined to find the berries, the rascal broke free from mother's grasp and vanished into the trees. Mother's worried cries faded fast as the girl ran on, over vine and under branch, and into the forest deep. Feeling strange eyes upon her, the girl recalled mother's scary bedtime tales, and her throat became bone dry. Then the Bat Lord appeared. He greeted her warmly and bit his own wing. Come, child, quench your thirst, he said. So she drank the thick, dark blood and smiled with joy. Passing through the graveyard, menacing storm clouds loomed, and the air turned bitingly cold. The girl was shivering in her thin clothes. Dans tes villes, là. Then, a dark weaver appeared.
And with a click of his fingers, crafted mist into a beautiful dress. Come, child, warm yourself, he coaxed. So she clothed herself and smiled with joy. Across waters deep and ominous she went, hoping a boat she found would carry her home. But hunger's grip tightened and her heart grew heavy. Then the fish king appeared and offered one of his many fins. Come, child, eat your fill. So the girl ate and smiled with joy once more. Continuing on, she soon entered the forest's dark heart. Then an iron steed appeared, bearing a beautiful golden gear. Du pognon! The creature said nothing as the girl approached and snatched what she thought was another gift. The horse grew angry and summoned the other monsters. Terror filled the girl's heart as the wild wind rose around the beasts. Suddenly, a witch appeared, dark, yet regal. Très stylé. Très, très stylé. Gifts we gave, but more you took, she snarled. So more in turn is due. In a blink, the girl was trapped inside a mirror. There. She's asleep. Le bébé, il a pris un petit peu de BCA, le bébé, là. Il bouffe les pancakes de Thibaut Inchep, hein. A local tale. Besides, Rose doesn't seem to mind. Because she doesn't understand it, thank God. We moved here so that she wouldn't have to deal with it. C'est joli, par contre. Remember? There's nothing wrong with my memory. You're just being paranoid. It's not... Never mind. I'm sorry. But I'm not paranoid. I'm just cautious. Then, go cautiously take your daughter to bed. Elle a encore... elle a des petits restants d'agressivité, Mia, non? It's okay, Rose. Your mother doesn't want to remember it. I can't blame her. Et non, Sunday, j'ai décidé de garder la stache mou. Nothing. I'll put her down. C'était trop dur de ce matin quand j'ai voulu me raser. J'en suis arrivé à la moustache et je me suis dit... Non. Pas la stache mou. Est-ce que tout est bon pour vous, les gars? Le jeu est fluide. J'ai vu qu'il y a des gens qui chialaient parce que c'est en VO, mais moi, je joue toujours en VO. Donc, si vous voulez un stream en VO, bah, vous allez ailleurs. Mais moi, je sais pas, j'ai... Enfin, un VF... je veux bien faire le sacrifice pour vous, mais bon. Apparemment, selon les tests, la VO est OK. Par contre, il faut que je revienne. Bon, on attendra la prochaine sauvegarde, par contre. Et du coup, là, j'ai le bébé, là. C'est fluide pour vous, les gars, le jeu ? Attendez, je vous régale, là. Hop là. Oh, mama. Bien sûr que j'ai les Twitch, les 17 dés. Qu'est-ce que tu crois ? C'est quoi, ça ? Oh mama. Allez, c'est parti. Le jeu est beau, par contre, hein. Quand j'avais testé sur PlayStation 5, c'était déjà très très beau, mais par contre qu'est-ce qu'il y a? You're there. It's like I said to your mom. That book's too scary for you. Oui. Bon, par contre, il est lent quand même avec le gosse, là. Ah, d'accord, ok. Bon, c'est peut-être pour ça qu'elle a des sautes d'humeur, hein. Bipolaire woman encore, hein. Merci pour ce sub goal, les gars. Ouais, merci Sunday, surtout, hein. Si vous avez une personne à remercier, les gars, c'est Sunday, hein. Celle qui a travaillé, c'est pas moi, hein. Moi, j'ai juste donné les sous-sous pour le cosplay. There you go, sweetheart. N'hésitez pas à la remercier, les mecs, hein. Don't you worry. I'll be right downstairs. Daddy won't let those weird fairy tale monsters get you. Putain, mais ils se sont fait chier, hein.
Parce que, attendez, dans le dernier recette, je sais pas si vous vous rappelez, mais il y avait des textures qui étaient quand même atroces. Hein. C'était... Là, on sent quand même qu'ils ont taffé pour la next-gen. Hein. Bravo pour le taf, je borde. Bah, t'as un peu créé un monstre, hein. Je t'ai pas montré mes jambes, mais j'ai pas rasé, hein, Sunday. Hein. Je suis resté quand même un homme au fond. Is she okay? Sleeping like a well, like a baby. Hmm, that smells good. What's that? Oh, hands off, mister. Petit souci avec la soupe, non? It's chorba de lagum. It's a local recipe. Wow, chorba de lagum. Full native, haven't you? Local wine too. But if you're gonna keep sulking all evening, maybe you shouldn't have any. You really have to stop worrying. It's just... Du pognon. Merci pour le pognon, Tensa. Merci Natma aussi, merci Pyro. Well, at least we're all together. You, me, Rose. Now, everything's gonna be... Seriously? Think we can just forget about what happened in Louisiana? It happened so long ago. Oh, ça lui plaît pas. I don't understand why you are so... Mia, get down. Attends, mais vous n'avez pas Vérissure? Ah oui, d'accord, ok. Ah oui, dans le trailer, elle prenait une balle, là, c'est quoi ce bordel? Oh God. Chris, what the hell? Sorry, Ethan. Connard, no! Chris. Bon, ça c'est ce qu'on avait vu dans le trailer what? Du coup. Why? Je vais bien, chérie. Ah, faut que j'arrête de me toucher les seins par contre. All clear. Rose? What the hell you doing with my daughter? Package secure, sir. Take him away. I said get your hands off her! Ethan, no. Rose. Alors par contre, il faut m'expliquer vraiment un truc. Pourquoi Capcom décide à chaque fois de changer la gueule de Chris? À chaque jeu, il a une gueule différente, ce con. La dernière, on aurait dit qu'il avait genre 30-35 ans, tout jeune. Là maintenant, c'est Hugh Jackman. Ça n'a aucun sens. Hey Doc. No problem. We'll be there. Ouais, dans le 5, c'était pareil, il était gigantesque, hein. She'll see us next week. Hey now. Think positively, all right? We talked about this. I know. We hardly talk about anything else. Ça te plaît, Maxime? I keep telling you it's not Rose that I'm worried about. Well then what are you worried about? Look. She's gonna be fine. I just know it. What else matters? We matter, Ethan! You matter! You just won't. Mia, what are you talking about? Is there something you're not telling me? Come on, talk to me. Damn it. I have to take this. Bon. Toujours folle, j'ai l'impression, hein, Mia. Parce qu'il faut quand même rappeler que dans le 7, Ethan il se fait planter avec un tournevis, couper la main, planter la hache dans la gueule, il l'aime encore, hein. Et il lui fait un bébé, hein, quand l'aventure est finie. Hein. Ok, d'accord. Complètement fou le mec. About damn time. What's your status? Is the package safe?
What are you talking about? Where's Chris Redfield? And Rose? Who is this? This is a secure channel. Ah, par contre, les mains sont bien faites. Il y a un truc. What the hell happened here? Ok. Bon, ça du coup, ouais, ça ne servira à rien. Objectif, abattre la cible et récupérer le corpse. Sécuriser Rosemary Winters et Ethan Winters. Transporter les Winters jusqu'au site C pour des examens approfondis. Au moins deux soldats devront les accompagner. D'accord. Bon. Ils avaient le projet de m'amener, mais petit souci technique. Hein. C'est toujours bon au niveau du son, les gars. Moi, je vous le dis, hein, je suis setupé en mode... Et surtout, est-ce que c'est fluide, le stream? Moi, je suis setupé, j'ai le son à fond dans mes oreilles. Hein. J'espère que pour vous, c'est good. Ok, d'accord. Bon, là, tu veux pas avancer plus vite, Ethan? Parce que... C'est good, super nickel. Maître d'hôtel. Bon. Si la qualité est good, tout est good, les mecs. On y va. Je peux peut-être... Non, j'ai pas envie de faire de dinguerie. Allez, c'est parti. On voit rien. Je sais pas si vous êtes au courant, les mecs. Attention, quand même. Toujours aussi con, aussi Ethan. Vous commencez pas comme ça, hein. Attends, on dirait... Ça me fait penser à Outlast 2, là. On dirait Outlast 2. Mais pas trop fort, pas trop fort, pas trop fort, pas trop fort. C'est bon, c'est bon. Je me casse. Mais je vois rien du tout, par contre, hein. C'est quoi ce bruit? J'entends des trucs absolument de partout, hein, par contre, hein. Je vois rien, hein. Ah, vous voyez rien comme moi, par contre. Ok, bon, allez. Oh, désolé, les gars, je me permets. Ce qui est cool, c'est qu'en tout cas, les tchouches ne me serrent absolument pas le corps. C'est super agréable à porter, hein. Je suis à fond là au niveau du son. Ouais, je suis à fond. Ok. Ouais, ça fait très Outlast 2 pour l'instant. Ok. Oh, mais attendez, j'ai une idée pour que ce soit plus sombre. Ah, ouais. Ça change strictement rien. Allez, c'est pas grave. On reste comme ça, hein, les gars. Du pognon. Merci pour le pognon. Je viens de là, hein. Qu'est-ce que je branle? C'est The Conjuring, là. C'est des planches. C'est la cave de Samuel Etienne. Je
Ok. Ok, ok. Ils vont faire ça, ils vont faire exactement comme dans le 7. Le début, ça va être horrible. Je le sens. Du pognon ! Bon, là par contre, il y a quelqu'un. Faut arrêter de déconner. Mais je peux plus passer, là. Ah si. Samuel et FC Meurtre. T'as l'ambiance est stylée par contre. J'aime beaucoup. Il y avait rien à récupérer en plus là, au cas où, juste pour me défendre. Apparemment non. Ok. Je viens pas de là ? Ah non, c'est bon. Bon, let's go, hein. C'est pas trop sombre pour vous, les gars, vous arrivez à voir quand même. Parce que moi, vu que je suis en HDR, je me rends pas compte si pour vous c'est pareil ou si c'est ok. J'ai l'impression que sur la capture, c'est bon. Mais n'hésitez pas à me dire. Hein. Ouais, c'est bon. Ok, propre. Let's go. De toute façon, le jeu sera sombre, hein. Ça, c'est sûr et certain. Where the hell am I? Ok, bon, let's go. On va se perdre, hein. Et c'est vrai qu'il y a un petit côté Dark Souls, vous avez raison. Allez, l'accueil toujours stylé. Des gens mettent des nains, hein, normalement, dans leur jardin. Pas des putains de chevaux décédés. Maybe they're out. Ouais, 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 bah je pense que tout le monde est sorti là, Ethan. Autant être honnête avec toi. Nagui. Soutien à Nagui, hein. Ah. Soutien à Nana. On espère qu'il va bien de là où il nous voit. Hein. C'est sûr pour être crocheté. Ça me saoule parce que j'entends des bruits de partout, mais je vois pas ce qui se passe en fait. Ok. Des cagouins. Y a rien dans les cagouins. Oh. Putain, on ne voit mais strictement rien du tout, hein. C'est infâme, hein. J'ai oublié de visiter quelque chose. Là, il y avait le cheval, non? Non, c'est bon. Non, ça, j'ai pas vu. Oh, les enfoirés. Si c'est comme ça tout le jeu, par contre, ça va pas le faire. Hein. Du pognon. Ok. Je suis perdu. Je suis déjà perdu. Ok, là, il y a des biquettes. Non. Je suis allé, là. Attendez, les gars, hein, je check, j'apprends la map. Ok, c'est bon. Oh putain, l'ambiance de patard, par contre. Okay. Ils ont tourné un clip de Slipknot ici, hein. What happened? Ouais, ok. Toujours super bon acteur, Ethan, hein. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici, bordel? Aucune émotion, le mec. N'empêche, quand on a fait la LAN à Poitiers, c'était un peu comme ça, les rues de Poitiers. Ceux qui habitent là-bas, hein. Déménager au plus vite. Fermé suite à la disparition du propriétaire. D'accord. Bon. Oui. Oh, et puis avec le maquillage, les gars, ça me pique la gueule.
Ça va être très sympa ces 4 premières heures de stream là. Ok, où on est là? Ah. Oui. Allez, donne-moi ça tout de suite par contre. Ok, on pourra se soigner, ça c'est bon. L'inventaire. Donc l'inventaire ce sera comme ça, c'est parfait. Did they just run out of the house? Ok. C'est là, c'est le truc qu'on a vu dans les trailers là. Il y a le père de Max Hildan là derrière le... Je crois hein. C'est ce qu'on avait vu dans le premier trailer du jeu. Non, non, oh putain. Friendly. Friendly. À chaque fois que je vais me toucher le cœur, c'est le sein que je prends en premier. There was an accident down the road and... What's going on? Oh no. They're coming. Who is? What the hell was that? Do you have a gun? What? Please tell me you have a gun. J'ai qu'un couteau, papy, hein. Mais donne! Hey, are you listening? Hey! What the... Aïe aïe aïe. Alors là... Oh putain. Il a failli faire la même chose avec nous, le mec. Dead body. Bah, tu peux pas dire ça. There's more. Ethan, hein. Très très bon acteur, Ethan. A dead body? Ah, un corps? Putain. Jesus Christ. Hmm. Bon après, c'est vrai qu'il faut le comprendre quand même. Il a vécu, il a déjà vécu des situations similaires il y a quelques années. Bon. Il y a quelque chose là par contre, hein. Oh putain, c'était fort, c'est allé très fort, hein. Il se passe la même chose, il se passe la même chose. Il va tout perdre dès le début du jeu, Ethan. Attends. Faire ta fête. Attention, flick shot. Oh là 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 là, encore. Ethan. Merde. Oh putain, merde. Qu'est-ce que c'est que ça? Il m'a qu'écrou là. Bon, ok. On est en normal. J'ai mis 15 balles sur le mec, hein. 15 balles. Oh putain. Voir les objets clés dans l'inventaire. Alors. Confection. Donc il y a du craft, ça, oui, bien sûr, on le sait. Coupe-boulon. Trésor. Alors là, mon trésor. C'est moi votre petit trésor, hein, le chat. Vous le savez, hein. Par contre, j'ai vraiment que 4 balles, là. Du pognon! Merci les gars, merci Nock, merci Yas, merci Skydes, merci Icor, merci Flo Pilon pour vos subs les gars, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Je vous ai mis quelques nouvelles émotes BTTV les gars au fait. Hein. Vous avez le no-no, vous avez plein de trucs. Ok, petite plante. Et là, alors c'est quoi la recette pour me faire un truc? Plante plus fuite chimique égale soin. Du pognon! Ok.
Merci Adèle. Merci beaucoup. Bon, allez, si on avançait un petit peu là. Ok, simplement. J'allais tirer dessus alors que j'ai ramassé le coup de boulot. Hein. On y était là tout à l'heure? Ça va être ça à chaque fois. Ça va être ça à chaque fois. Alors par contre, je vais explorer un petit peu avant. J'ai pas envie de me faire baiser dès que je rentre dans la maison quand même. Ok. Allez, c'est parti les gars. On y va. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne. Attendez, je vais aller voir ici quand même. Bon, c'était sûr. Oh les gros nibards, Hugo. Ah, j'ai fait ça pour vous, hein. Rien. Il y avait quand même quelque chose jusqu'à ce que j'arrive, les mecs. Hein. Si je puis me permettre. Okay, bon. Allez, ça barricade tout de suite cette merde. J'ai que 9 balles, hein. J'ai 9 balles, les mecs, s'il vous plaît. C'est... Je suis Lady Dimitrescu, hein. Je suis avec vous, les gars. Casse-toi, du coup. Putain, mais cassez-vous, mais c'est pas possible. Ils sont combien, là, par contre? Ne venez pas dans mon dos, s'il vous plaît. Par où je passe? Où est-ce que je vais, les mecs, là? Je suis baisé, là. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Faut que je m'en aille. Il faut que je m'en aille. J'y vais. Je sors. J'ai 7 balles, j'ai 7 balles. Y'a quelqu'un en haut, non? Ah! Pousse-toi! Je peux pas sortir. J'ai plus de balles, j'ai plus rien. Je ne peux pas sortir. Attendez. Je me crave ça. Oh la belle histoire. Laisse-moi sortir, bordel de merde, je peux pas. J'ai rien. Oh, il y en a un autre là. Je suis mort. Ça marche le cut là? Ça lui fait rien. Hein. Mais ouvre la porte, bordel de merde, mais c'est pas possible. Alors attendez. Je suis en standard, hein. Je suis en standard. Je peux pas passer ici. Oh putain. Je commence à m'emmerder celui-ci. Et je peux pas passer par là. C'est quoi? Je vais... Attends, merde. Bon. C'est pas... C'est dingue quand même, hein. Oula. Je comprends pas, là, ce que je dois faire. Ok, il est mort. Je peux sortir, là, bordel de merde? C'est pas possible. C'est fini? Over. Survivors out
to Louise's house near the fields. Survivors? Donc ça, ça rejoint la démo. Et là, je peux l'ouvrir. Bien joué. Bien joué, les mecs. C'était pas ouvert, ça, tout à l'heure. Vous êtes au courant que je n'ai... C'est des gargouilles. C'est des décos de maison. Attendez, je vais ouvrir là, on sait jamais. Qu'est-ce que je fais là? Cut. Je cut ça et je vais dans la maison, les mecs. Hein. Oh, le style popon du vieux, ça. Donne. Ok. Damn it. J'ai autre chose à ramasser là ou pas? Oui. Plante. Sac de farine percellé pour aveugler. Oui, bon, ça je le sais parce que j'ai vu la démo. Ok. Ça doit servir à crafter la ferraille. De toute façon. Allez, on y va. Ah oh putain. Ouais, je suis con vite, c'est con. Ferme-moi cette merde, ferme-moi cette porte. Ah, il veut me choper le cul. Je monte. Adios. Oh là 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 là. Vous commencez très très fort hein, quand même. Hein. Ils ont des flèches. Oh putain, j'ai compris. Il y a quelque chose là. Laisse-moi tranquille, toi. J'ai tout compris. Allez, venez ici, les bouffons, là. Bam! Je peux pas passer, non? Par où? J'ai aucune issue. Y'a aucune issue, les mecs. C'est quoi ce bruit? Oh putain de merde. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Oh putain. Attendez, là, je réfléchis deux secondes. Ferraille. On est sûr que je peux pas. Non, je peux pas passer là. C'est quoi ce... Ils sont partout. J'ai plus... Mais j'ai déjà plus de balles. C'est quand même quelque chose, hein. Oh oui, bah alors là... C'est Bloodborne. Aïe. Je suis au sol. Ça va, l'allonge aussi. Je crois que j'ai plus de soins, non? Non, j'ai plus de soins. Je peux pas me soigner. Ok, toi t'es mort. Putain, mais lui il est stylé par contre. Hein. Je passe! Ouais, bon, je vais crever. Hein. Y a un truc que j'ai pas compris, les gars, je pense. Ah bah je peux plus courir. Bon. Allez, bouffez-moi le cul que je recommence. Allez-y, bouffez-moi le cul là. Voilà, on va recommencer, j'ai pas compris.
La mort est agressive tout de même, hein. Ah mais c'était voulu en fait. Ils sont dégueulasses. Putain, il est trop stylé lui. Il a les mêmes dents que moi en bas. Ok. Attendez, il y a Limbo. Limbo, tu me reconnais? Il veut sortir, Limbo, attendez. Là par contre ça fait penser de ouf à... Désolé, je m'en remets un peu les miches en place. Ça fait penser de ouf au début de Resident Evil 4. Quand vous êtes obligé d'attendre qu'il y ait une sonnette, la sonnette des cours là. Et tout le monde part en cours d'éducation physique. J'aime bien. Ok, let's go. Ah, bah là c'est la démo du coup. Hello. You shouldn't be out here. It's not safe. Merci Vadox pour les 100 bits. Hey, can you hear me? It's you, the child's father. Child? Hey, wait. Do you mean Rose? Is she here? Rose. Là c'est Mercotte par contre. Yes. She is in great danger. Since Mother Miranda brought her to the village, we have fallen into darkness. What are you talking about? The monsters? The castle bell heralds danger. Oui, bon, c'est la démo. No, wait. Where's Rose? Mm. Who's Mother Miranda? The bell tolls for us all. They're coming again. Ouais, sa doubleuse est très très forte pour le coup. Rose is here? Mais ouais, moi je suis un peu déçu, je pensais que... Alors dans la démo par contre, on n'a pas, pas la main cut comme ça. Mais je pensais que la démo du coup c'était un peu exclusive, mais non, ça a pas l'air de changer grand chose. Qu'est-ce qu'on a ici? Fluide chimique. Alors oui du coup, ça me saoule parce que d'après ce que j'ai compris en fait, là tout à l'heure j'aurais dû me faire bouffer le cul dès le début. Et comme ça on était bon, non? Parce que j'ai usé plein de balles hein. J'ai vraiment usé énormément de balles. Bon, après, il m'en reste quelques-unes, c'est pas très grave. Oh, Lycan, loup démoniaque légendaire, venez nous dévorer, venez manger notre chair. Bon. D'accord. Oh, ton front, là. Ouais, j'avoue, mon front. Mais c'est la perruque. Regarde. Normalement, le chapeau, il est censé être comme ça, mais vous me voyez pas après. Je me mets comme ça. Ok. Bon, allez. On avance, les mecs. Je pense sincèrement, les gars, que c'est un jeu que je vais speedrun, ça, après. J'ai longuement hésité à speedrun RE7, et je pense que RE Village, je vais le speedrun. J'adore. J'adore l'ambiance, déjà. Ça me plaît beaucoup. Bon, par contre, vous savez, hein, à chaque fois qu'on a fait des let's play sur la chaîne, moi, j'ai une maladie, c'est qu'il faut que je fouille absolument partout. Et je me rappelle que dans la démo, il y avait un petit truc à choper ici, donc je vais le faire tout de suite. Hop là. Ces chefs protègent notre village et ses habitants du mauvais œil. Quiconque les détruit subira la colère de Mère Miranda. Très bien. Merde. On a la carte. Donc ça, je ne peux pas l'ouvrir, bien sûr, pour l'instant, puisqu'il me faut la clé en fer forgé. Cadenas... Ah, pardon. L'accrocher... Ah, c'est parfait. Ça me met à chaque fois ce que... Hop, hop, hop. Ça brille, là, hein. Voilà, tu m'auras pas deux fois par contre.
S'il y a le délire, il y a le délire, j'avais vu un peu dans les tests, il y a le même délire que dans RE4 avec les trésors. Donc là, les gars, on va devoir fouiller partout. Hein. Je vous le dis tout de suite. Du pognon ! Ah, c'est trop bien qu'ils aient remis ça, je kiffais dans RE fouiller partout pour tirer partout et avoir des petits treasures. Ok, où on va ? Du pognon ! Merci pour le pognon, les mecs. Là, c'est closed aussi ? Bon. Bon bah s'il faut faire comme dans la démo, je vais le faire. Hein. Par contre, vous êtes d'accord avec moi les gars, ça vous dérange pas que j'aille un peu vite là, vu que c'est la démo. Je suppose que vous l'avez déjà vu. Je vais essayer de le faire le plus vite possible. Hein. Merde. Morceau de relief, donc ça c'est parfait. Ah. Et bah décidément. Et normalement, voilà. Alors, est-ce que c'est pareil que... Merde. Church. Louisa's. Oui, donc là, on a le premier. Petite save. Ça a marché ? Allez, direction la zone. Je vais le faire extrêmement vite. Hein. Oh putain. C'est vrai que j'avais oublié qu'il y avait des ennemis dans le coin. Attendez, parce que du coup, dans la démo, il y avait un truc à récupérer aussi dans le coin. Attendez, I'm stressed. La carte. Merde. Il manque encore un truc, j'ai pas pris quelque chose. J'ai dû oublier de prendre un truc. Bon, au pire du pire, on y retournera. Hein. Ah, voilà, parfait. Il a plus de 5, mais 3 potes réunis. Je suis désolé, c'est... C'est de l'entretien. C'est de l'entretien, un petit peu de prot. J'ai pas envie de me faire bouffer le cul par les licans, là. Ok, personne n'a vu. Hop, je prends ça, et vite, je me barre. Ça existe, les stéroïdes, pour faire gonfler les nichons ? Enfin, pas des stéroïdes, du coup. Oh merde. Ah oui, c'est vrai qu'elle. Hey, what are you doing here? Stay back. Please, don't hurt us. Whoa, it's okay. I'm not gonna hurt you. I'm just glad to see normal people at last. Have you seen any other survivors? No. They're all in Louisa's house. And she's not answering and the gate is locked. Quiet, girl. He's an outsider. Oh. Shit, we're sitting ducks in here. Can your old man walk? No. One of the monsters cut him. He's lost a lot of blood. We have to get into Louisa's house. Shh, quiet. Must be a way inside. Stay here. Be quiet. Don't move until I get those gates open. Allez, Corona. Bon, c'est vraiment la démo, par contre. J'ai envie de découvrir, moi. J'ai envie de faire de nouvelles choses, je vais me dépêcher. Allez, hop, les pistolets. Hop, 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 le speedrun. Tac, tac, tac. Les cagouins. Voilà. On leur ouvre la porte. Peut-être pour plus tard. Je vous le laisse parce que vous l'avez peut-être pas vu. Vous avez peut-être pas fait les démos et tout, mais... J'ai été en plein world record quand même, hein. Le mec abuse un peu, hein. Il n'est pas habitué à relier sur d'autres personnes. Je suis désolé. Y'a aucun souci. We'll be safe in here, won't we? Safer here than out there. Je ne m'avancerai pas trop sur la question, mademoiselle. Hey, do you know anything about what's going on around here? It doesn't make any sense. Mother Miranda has always protected us. Nobody's answer. Father? Ouais bon, il va canner le papy. Hein. We have to get inside. Hello? Oh putain.
Anybody home? J'ai de plus en plus chaud les mecs. Maybe a familiar voice. Louisa, open up, it's me, Elena. Stop shouting, you'll draw the monsters. Julian, calm down. Who's this? A friend. Stay back. Father, for God's sake, Julian, let us in. No, they'll smell the blood. You'll endanger us all. My father will die out here. But that's not my problem. What's going on? These people want to let a dying man into our home. Come now, these people are our friends. Go on, go inside. Come now, this way. You're not from this village. No. I'm Ethan. Julian, go make yourself useful and check the grounds. I said go! Lui, il cherche vraiment la merde, par contre. Well, if Elena trusts you, then so do I. Come inside, Ethan. Oh là là. Come inside. Wait here. I'll check on the others. My stepsister is in the washing machine. Hein. Bon, je vais pas sauvegarder. Hein. C'est juste sauvegardé il y a pas longtemps. Louisa, une partie du bétail a encore été tuée. Si ça continue, nous ne passerons pas l'hiver. Quant à Ernest, qui a disparu, nous n'avons toujours pas retrouvé sa trace. Mère Miranda nous aurait-elle abandonné? Tournez les pages. Ah, c'est... D'accord. J'avais même pas fait ça, je crois, dans la démo. Joli village, en vrai. Hein. Il y a quelque chose. Hein. Je trouve la VF meilleure, personnellement, mais certaines voix de la VO sont cool aussi. Moi, je pense que ouais, tu t'y retrouves un petit peu dans les deux. De ce que j'ai vu des avis, c'était un peu... Là où il y avait des défauts dans une, il y avait le bon point dans l'autre, quoi, en gros. Come inside, the others are waiting. What the fuck is this? Outsiders, you're gonna get us all killed! Quiet! Anton! He helped Leonardo and Elena. We were doing fine by ourselves. Please, Ethan, take a seat. Is this all that's left? From your entire village? All that's left? All that's left? There is no one left! A worthless invalid! A stupid, wailing bitch! And you! You drag a bloody man and an outsider in here like it's nothing? And expect to be all safe? There is no safe! Every sorry bastard out there has been ripped in half! But tomorrow? C'est le mec qui double Cartman en français qui le fait, lui. Ah, pour le coup, je trouve que la VO est mieux, là. I'll be dead. Just like her damn husband. Put a sock in it, Roxanna! That's enough! This house has protected my family for generations. And drunk or not, you are all welcome and safe in here. Whatever. Can someone please tell me what the hell is going on here? We don't know. One day we were a quiet, devout village, and the next, the monsters came and attacked us. And they kept coming. Wait, Louisa. Where is your husband? Là, Ernest... No. No, he is out there. Il est dans une farita pocket, à mon avis, là, Ernest. Hein. He went to get help. Oui. Oui, bien sûr. Yes, that's... Oui, oui, oui. That's it. He went to fetch help. Let us pray. For him. For all of us. Good idea. Come. Gather. Ils vont finir. Ils auraient pu finir ensemble, hein. Mais bon. Great ones, hear our voice. Together as one in reverence, we call on thee within the endless dark to deliver us into fate's hands. As the midnight moon rises on black wings, so we make our sacrifice and await the light at the end. Ils sont complètement finis avec ça. And in death. We give you glory, Mother Miranda. Du pognon. Now. Merci. The tea should be ready. Come help me, Elena, please. That prayer, I've heard it before. There was an old woman near the graveyard. Pourquoi la vieille le dit aussi? Ça, je comprends pas.
bitch is crazy as a bag of rats. There is wisdom in her devotion, though. And I hope it protected her as it shall protect us. Je me réinstalle. Leonardo, what's wrong? Are you okay? Merci, Step Sister. Elena? I said no! Oh my god. I'm so sorry, Father. Hey, that wasn't your father anymore. You did the right thing. Elena, no! There's nothing you can do! This entire place is collapsing! Allez, faut se barrer! You couldn't save him. He was already gone. Leave me alone! No, we're getting out of here. Together. J'avoue que la prière était super utile du coup. Bon allez, parce que cette séquence, c'est... On va pas se mentir les mecs, hein. C'est peut-être un petit peu long. J'aimerais bien continuer le jeu. Classique des Resident Evil, ça. Si vous pouviez juste me laisser... Voilà, merci. Un petit truc dans un coffre que j'ouvre, enfin dans un tiroir. Alors, qui accroche par contre ces choux comme ça? Est-ce que c'est un chou ou une fleur ça les mecs? Qu'on m'explique, hein. Personne ne fait ça. Hein. Alors c'est peut-être quelque chose en Roumanie, mais par contre... Ça, c'est juste horrible. Hein. Allez, et hop. Hop là. And the turn of ice. Allez. Damn, the fire's moving fast. Bon, par contre, encore une fois, ça, je ne comprends pas pourquoi il fait ça. Qu'est-ce qui te console, Ethan, dans le fait que cette idée est la bonne idée? Ça n'a aucun sens. Vous allez voir. Voilà. J'aurais pas fait ça personnellement, mais comme tu veux, Ethan. Voilà, c'est bien. Tu nous as tous sauvés, Ethan. Are you all right? I'm fine. Let me back up again. Non. The fire. There isn't any time. Where to go but up? Grab on. Hurry. Let's move. Ouais, c'est totalement hors RP comme vous dites dans le chat. Je suis d'accord. Try not to breathe in the smoke. I know. Thank you, Ethan. You're kind. Come on. It'll hold. There. That's our way out. Oh, thank God. But what then? The village is still full of monsters. We can't fight them. There's too many. Hey, don't talk like that. We'll find a safe house to put you in until I can find my daughter. My hunch is she's in that old castle. No. That place is full of nothing but blood and death. And I don't want to be alone while you're... Father? Et là, Stepfather. Elena, no. That's not him. Not anymore. He said my name. Father! Wait
Jane, it's not safe. Mais quel enchaînement de conneries, putain. Stay there. Come on, give me your hand. Ethan, go. Save your daughter. Elena, don't give up. Reach for me. God damn it. Ah oui, bah oui. Eh oui, c'est totalement con. Why is everyone dying on me? Même cette voice line, ça reste vraiment la victime, Ethan. Putain, mais tout le monde meurt, c'est chiant. Allez, Ethan, c'est pas grave. On va arranger le tout, d'accord? I just don't get it. Et nous non plus, hein. Ce que tu as fait était très très con depuis le début, hein. Depuis le tracteur, ça s'annonçait mal, hein. This place is going mad. Mais va-t'en, c'est en train de prendre feu, Ethan. Hein. Fuck, is this happening again? Shit! Allez, on s'en va de là. Allez. Et maintenant, on peut partir. Ah, mais c'était Ernest. Ernest is in the beautiful drops, guys. Allez, ça commence. Les choses sérieuses commencent, les gars. Le vrai jeu commence. Barrons-nous d'ici. Bon, là, il y a la vieille foil encore, là. Death has visited them all. Solide la mamie, hein. Je peux rien faire. Je peux même pas la fumer, les mecs. Je suis confus. Allez, énigme la plus dure du jeu. Allez, c'est parti les gars. On va pouvoir aller voir. Vous voyez de qui je parle, hein? C'est moi-même. Huh? J'aime vraiment l'ambiance, hein, par contre. Hein. Je vous dis. Mais il y a tellement de trucs qui ressemblent à RE7 et RE4 là dans le début. Le délire de la cloche. Et là même ils se sont dit, allez, on remet une voiture les mecs au début. On remet une voiture. Mais ça marche, hein, ça marche. Alors. Y aurait-il pas quelque chose à looter dans le coin là? C'est verrouillé bien sûr. On a la carte là. Oui. Well, well. Didn't think anyone was left. Lui est trop stylé aussi. You must be pretty tough. Huh. Who the fuck are you? Oh. You're not local. Even better. Mother Miranda is gonna love you. C'est quoi la voix? La voix du mec me dit grave un truc. Il est trop stylé, hein. Du pognon. Merci pour le pognon, Rickon Gridola, improbable. Valor tout à l'heure, merci beaucoup les gars, c'est gentil. Wait, you're whining. We're almost there. J'ai déjà entendu quelque part lui, mais je sais pas où.
man is of no real use to anyone else, and my daughters do so love entertaining foreigners. Furthermore, I can assure you if you entrust the mortal to House Dimitrovsk, my daughters and I shall deliver to you the finest. Way, ugly! I want to see! He's awake! Both of you shut the fuck up! What? Where? You mean you'll screw around with him in private, and where's the fun in that? Give him to me, and I'll put on a show that everybody can enjoy. Oh, lady, lady! So gauche. What attendez, do we mode photo? Je peux zoomer? Attendez. Oh, je peux pas zoomer dans les cinématiques. Oh, fait chier. Bon, elle est là. Circuses. Un man peu de respect. Things, suffering is assured. Yak, yak, if a man's dick is cut off in the castle, blah, blah, blah. Répugnant, lui, par contre. Hein. I've heard all your arguments. Some of you were less persuasive than others, but I've made my decision. Heisenberg, the man's fate is in your hands. Mother Miranda, I must protest. Heisenberg is but a child, and his devotion to you is questionable. Heisenberg. Give the mortal to me, and I will ensure he is ready. Shut your damn hole! And don't be a sore loser! You'll find your food somewhere else. Quiet now, child. Adults are talking. I'm the child. You're that the one who's arguing with Miranda's decision. You wouldn't know responsibility if it was welded oh, to Oh, keep glory. One day your head might actually fit your ego. Fight. Hey, don't I get a say in this? Silence! My decision is final. There will be no argument. Remember from whence you came. Thank you. Lycans! And gentlemen, we thank you for waiting. Il y en a beaucoup là quand même. And now let the games begin. Heisenberg, je sais que vous êtes le danger, mais là quand même, il y en a pas mal. Hein. Ethan Winters. Get ready. No way! Ten. Nine. Eight. Seven. Six. Five. 4, 3, 2, 1. C'était quoi? Allez, on court! C'est parti! Jesus Christ! Ah, oh putain. Mais d'accord, je vais pas faire le con, je vais pas ralentir. Bon, non, pas par ici. Oh là là, c'est stylé, hein. Tourne, Ethan. Tourne. Alors, normalement, on meurt, hein, quand on prend ça. Hein. Oh putain, c'est Disneyland ? C'est un escape game. J'ai besoin de Skyheart. Oula, oula. My word. You truly are as strong as they say. Oh. Je peux pas prendre ça en plus. Oh putain ça. Il y a un renfoncement là. Nothing like fresh American ground beef. Bon, c'est un jeu vidéo. Hein. Je sais pas si dans la vraie vie ça marche ce genre de truc, mais. Do those freaks have Rose? Insane l'ambiance. Trop stylé. J'espère juste qu'ils vont nous laisser jouer un petit peu là, parce que les cinématiques, j'en ai marre. IRL, tes bras, ils partent? Comment ça, ils partent?
Putain, j'ai pas Hugo. Hugo est trop bonne, qu'est-ce qui se passe? C'est pour votre plaisir, les mecs. Comment ça, ils partent, mes bras? Je peux rien faire de plus, hein. Et heureusement que je porte rien quasiment sous la robe, hein, parce que là, j'ai déjà très très chaud en haut. Je pense que tout à l'heure, j'irai me prendre une bonne douche. L'enfer commence. Ah, j'ai oublié de regarder s'il y avait des trésors. N'hésitez pas à me dire, hein, les gars, si vous pensez qu'il y a un trésor dans le coin, là. Ou si vous avez vu un truc qui brille au plafond. Mais j'ai pas envie d'en rater, hein. C'est très important pour l'économie du jeu, ça. Life douche. Life douche, je peux, hein, mais bon. Regarde la map. T'es sûr, Ikam, que sur la map, même les petits trésors cachés comme ça, il les symbolise? On testera, hein, mais j'ai des doutes. Tout? Yes, t'inquiète. Ok, parfait. C'est bon à savoir. Alors, attendez. Parce que tout à l'heure, on a bien vu que les... J'aimerais bien essayer de... Si j'ai réussi à en avoir deux à la suite, je suis chaud. Je pense que je l'ai tué peut-être un tout petit peu trop loin, du coup j'aurais absolument pas de loot. Et le corbeau que j'ai tué n'avait pas de loot. Ok, stylé. Bon. Ah. J'aimerais bien ne pas utiliser de balles, s'il te plaît. Oh. Bon, on sait que eux font du bruit, ça c'est bien, c'est bon à savoir aussi. Ouais, bien sûr, Marcel, je compte sur toi, hein, si ça backseat. Si je vous demande pas d'aide, les gars, ne m'aidez pas. Si je vous pose une question, vous pouvez me répondre, mais ne spoilez rien. Respect, hein. Ah. Celui-là, il est stylé aussi, hein. I've been waiting for you, Mr. Winters. How do you know my name? Anyone who is anyone has heard of the likes of you. A hero searching for his daughter. Though I must say, that castle arouses suspicion. Yeah, and so do you. I am but a humble merchant. Here? Oh, forgive my manners. Call me the Duke. Now to business. Weapons, ammunition, healing salves, anything you desire, I can provide. Ah, attendez, j'ai envie de tester un truc avec le bot photo. Alors là, les mecs, régalez-vous, hein. J'enlève le HUD, prenez une petite capture d'écran. Là, vous avez très très chaud. Entre la cam, là, ici, et ce qui se passe ici... Plus besoin du OnlyFans de Chelsea, hein, les mecs. Hein. Tout est là. Hein. Allez, voir ce que t'as dans ta boutique, mon pote. Allez, on va vendre ces merdes-là. Les crânes, c'est bon. Et le reste, je garde. Ça fait déjà 5800 boulasses. Alors ça, par contre... Je sais pas si c'est vraiment utile qu'on prenne de la puissance au début. What are you buying? Just something an old friend of mine used to say. Ah, trop stylé. What are you buying? Il fait une petite référence à RE4, putain, mais c'est trop fort. What are you buying? Excellent. Trop trop fort. Bon, on va faire ça, je pense que ça va me servir. Et est-ce que je peux augmenter la puissance de mon gun? Non. Bon, on fera ça plus tard. What are you selling, Dion? Merci, mon pote. Je kiffe trop l'ambiance. Je sais pas vous pour l'instant, les gars. Bon, même si on a vu quasiment que de la démo pour l'instant. D'ailleurs, il y a certainement l'autre démo qui va arriver bientôt, mais... Je kiffe l'ambiance. Oh là là, on est à la maison, les mecs. Bienvenue chez moi. Alors, je vous présente un petit peu l'entrée. Ah, ça c'est mes filles, juste ici, là, les trois bouffonnes.
Ah, je connais ici. Hein. 5 janvier. Rednik, livraison d'un homme et de 3 femmes. Ouais, bizarre quand même comme sorte de livraison. Mère Miranda, 28 janvier. Entretien avec Madame Dimitrescu. 1er février, le duc, discussion d'affaires. Très bien. C'est ce que j'avais déjà vu dans la démo, mais vraiment l'architecture, ils ont fait un taf de ouf. Hein. Je kiffe. Donc du coup, voyons voir. Là, ça veut dire que j'ai tout pris. Zone complétée. 500 lei. Bon, ça, à mon avis, ça m'étonnerait. Oui, ça m'étonnerait que ça marche tout de suite. J'ai récupéré. Il reste un truc. Ça, ça se casse? Non. Ah! Bah écoute, on va vérifier le théorème de celui qui a dit ça tout à l'heure. Et si c'est bleu? Eh ben voilà. Ok, vous avez raison. Bah écoutez, c'est parfait ça, hein, parce que je vous avoue que ne pas savoir ça, au moins ça nous fait économiser quand même pas mal de temps. Hein. Là, je sais que j'ai plus rien à trouver. Merci le gars qui a dit ça tout à l'heure. Pour le coup, c'était une bonne remarque. Ça se casse, ça? Oh, j'ai des cheveux de Dimitrescu dans la bouche. Le théorème, c'était que en gros, dès qu'il y a des objets, même cachés au plafond, c'est comptabilisé ici. Donc en gros, dès que la zone est bleue, ça veut dire que j'ai plus rien à casser, même un trésor cassé. Caché, pardon. C'est parfait. J'entends du bruit un peu partout, par contre. Ok. Ça, c'est la pièce qu'on voit aussi dans le trailer, non? C'est la pièce avec les statues. Oui. Labyrinthe de Norstein? Artisan de la fin du 19e siècle, Norstein fut qualifié d'hérétique puis banni de sa patrie. Il erra longtemps avant de s'installer dans un village isolé. C'est là qu'il créa 4 labyrinthes. Le château, la maison sur la colline, le moulin à eau et la tour de fer. Une fois ceci achevé, il se mit un pistolet sur la tempe et se donna la mort. Ouais, bon, pas ouf comme fin de carrière quand même. Chaque labyrinthe est unique et fonctionne avec une boule métallique spéciale qu'il faut guider jusqu'à l'arrivée. Les 4 labyrinthes renferment des ossements humains parés de cristaux de différentes couleurs. On raconte que ces ossements sont ceux des 4 femmes qui... qu'a aimé, pardon, Norstein au cours de sa vie. Ok. Bon, je suppose qu'il y a un trou pour quelque chose de sphérique. Bon, pas de mauvais jeu de mots, hein, s'il vous plaît. Mais ça m'étonnerait que la photo de famille, ce soit ce qu'il faille mettre dedans. On va save quand même. On écoute le thème vite fait de la safe room. Ah non, 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 là je travaille. Hein. Excusez-moi, mais je suis pas disponible. Ouais. Préfère quand même la... Préfère celui du 7. J'aimais bien le thème du 7. Oh putain, mais c'est mes cheveux. Mais c'est insupportable les perruques. Hein. Du pognon. Merci pour le pognon, Melio. Puis-je ? Restituer le visage des 4 anges. Ah. Bon, d'accord. Looking for Rose. Elles vont déjà m'emmerder, celle-ci. Man blood. En général, c'est pas ce qui excite le plus. Hein. Oui, ce sont mes filles, mais bon, il faut un peu les bouffoles là quand même. Vous permettez. Ah, c'est la fameuse scène. Attention. Mother, I bring you fresh prey. You are so kind to me, daughters. C'est moi. Ethan Winters. Now. I was looking Let's for your coom. Well, Ethan Winters.
You escaped my little brother's idiot games, did you? Let's see how special you are. Yes, mother. Yes, mother. Je vous laisse faire, madame. Je ne dis rien. Starting to go a little stale. Then let's devour his man flesh quickly, mother. But I am the one who captured him. Now, now, daughters. First, I must inform Mother Miranda. But later, well, there will be enough for everyone. Udama. Pardon? Oh bah oui. Vous avez pas des élastiques, Madame Dimitrescu? Oh, be careful what you wish for, Ethan Winters. Sacré popotin. Wait, what are you doing? Eh ben, ils se sont fait plaisir Capcom quand même, hein. Ils se sont dit, allez là, les gamers là, les puceaux, c'est pour eux cette séquence là. On veut qu'ils achètent notre jeu. Hein. Alors. Bon, alors, comment on va faire quand même pour se retirer un petit peu, enfin, se retirer avant, si je puis me permettre l'expression. Avant qu'elle n'arrive, bien sûr. N'allez pas faire dire ce que j'ai pas dit. Et quel américain ? Pourquoi ? Alors attendez, j'ai pas tout compris là. Il suffisait juste de faire ça, hein. Mais non, on va se déchirer la main, y a aucun souci. Il est complètement starbé. Hein. Alors après, pour ceux qui comprennent pas, parce que si vous avez pas fait R7, ça peut paraître un peu spécial, mais c'est vrai que Ethan, dans le 7, il perd sa main, en fait il a sa main qui manque dès les premières 20 minutes du jeu. Hein. Et avec la technologie de ces liquides là, alors c'est pas du mercurochrome ni du bepanthène, autant vous le dire, hein, mais ça permet de recoller un petit peu tout. Donc c'est techniquement de la UU stick and glue, plus, mais médical. Et donc c'est normal, dans le lore du jeu en tout cas c'est normal, vous inquiétez pas. On a affaire à un jeu vidéo quand même les gars, je me permets de vous donner un petit peu les clés de la compréhension parce que c'est un peu... C'est vrai qu'on peut se dire, c'est spécial quand même. Et j'ai encore un poil de cul de Madame Dimitrescu en pleine bouche. Bon, ça va falloir arrêter de me mettre des crampes par contre. Je le prends très très mal à chaque fois que je vois un truc et qu'il n'y a rien dedans, ça commence à m'énerver. Est-ce que ce verre me servira? Ah oh, oh, on a la touche sur PC aussi pour se tourner d'un coup. Parfait, ça. Ça, je vais m'en servir. Et du coup, c'est la deuxième démo directe. Ok. Ah, j'ai tellement envie de découvrir la suite, là, les gars. Ça me saoule, putain. En fait, ils ont vraiment mis les démos au début du jeu. Après, vous me direz, c'est pas plus mal de la sorte, hein, mais... Ok. C'est verrouillé, de toute façon. Voilà, c'est par là. Hugo qui découvre des touches après s'être fait bolos 2 heures. Bah j'ai un peu appuyé par mégarde, hein, si je puis me permettre. Le seul truc qui change entre les démos et le jeu, c'est l'état des mains. Pour l'instant, ouais. Hein. Il avait encore tous ses doigts, notre ami Ethan. Je check partout maintenant. Ah, je vais le faire tout de suite, ça. Hop, parfait. J'adore le tous les sons et tout. Putain, c'est trop bien. C'est trop trop bien. Je vais casser quelques petits trucs quand même. On sait jamais. Ça pour me heal. Je suis en vert pour l'instant, donc tout va bien. Allô ? Ah merde, j'étais sur mon autre écran. Ok, faut que je fasse gaffe avec ça. Where have they taken Rose?
Ok. Donc ça, je suppute que ce sera pour mettre des trucs dessus, mais de toute façon, j'ai pas ce qu'il me faut. Là, c'est ouvert. Il y avait autre chose ici, je me rappelle plus. Attendez, on vient d'où, là, déjà? Ok, c'est la pièce dans laquelle on était tout à l'heure. Très bien. Niveau munitions. Je viens. Merci, Kazemaru. Merci beaucoup pour ton sub. Merci, les gars. Vous soutenez, ça fait plaisir. On est là, hein. Bon, du coup, là, c'est rouge, mais ça restera rouge jusqu'à ce que j'ai le crochetage. Allez, c'est parti. Bon, j'espère que le jeu vous plaît pour l'instant. Moi, je kiffe. En tout cas, je vous ai dit aujourd'hui, hein, le stream va durer très longtemps. Hein. Je vais pas m'arrêter de sitôt. J'ai vraiment envie d'aller super loin dans le jeu. Alors, ça m'étonnerait qu'on le finisse aujourd'hui. C'est possible, hein, mais je sais pas combien de temps il faut pour le terminer. J'ai vu sur les tests, c'est... C'est aux alentours de 10h, un peu moins de 10h, mais je sais pas. Merci Chipopotam et merci Alexio pour votre prime, les gars. Ça fait plaisir. Environ 10h. Du pognon. Merci beaucoup, LM Prod. On verra, hein, mais bon. J'aimerais bien aller loin aujourd'hui, en tout cas. Comme ça, demain, on peut le finir. Ok. Bon, allez. C'est vraiment comme dans la démo. 10 heures pour un mec de presse ou pour un vrai joueur? Bah, on va pas répondre à cette question. J'ai déjà été assez acerbe envers la presse, en tout cas envers le style de la presse souvent. On va rester poli, d'accord les mecs? L'histoire viticole du château Dimitrescu. Alors d'ailleurs on dit Dimitrescu, hein. On dit pas Dimitrescu. On dit Dimitrescu. Remonte au 15e siècle, bien avant l'arrivée des occupants actuels. Alcina Dimitrescu a combiné les techniques traditionnelles à un procédé dont elle a le secret pour enrichir l'intensité des saveurs du vin et lui conférer un bouquet épais. Thick bouquet, my friend. Son meilleur millésime est le Sanguis Virginis, qui signifie sang de vierge. Il est conservé dans une bouteille spéciale décorée de fleurs argentées. Millésime préféré de Norman. Hein. Photo de famille, œil écarlate. Thé spécial orné de fleurs. Ça rentrait pas de toute façon là. Oui, bon. Je vais pas mettre la photo, je suis quand même pas si con que ça. Et c'est rouge, il y a encore un truc à faire. Ça doit être par rapport à ça, je suis pute. Enfin, je pense. Y a-t-il un cadeau accroché là au mur? J'y retournerai plus tard. Le Z. C'est quoi ce bordel là? Ah mais c'est ça putain qui fait du bruit. Je me disais, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui break absolument tout là. Ça en fait un bordel par contre. Hein. C'est peut-être un peu trop même. Ça fait presque du mal de les casser ces pots, ils sont tellement beaux. Bon là on est bien niveau mune hein. Allez hop. I haven't cut open a man in a while. J'ai pas testé de tirer dessus. Let me string you up. Slice your... Oh putain, bon d'accord, ok. On va se barrer. Dead, which would you prefer? Heureusement, je connais le chemin. I can't hold back any longer. Je pensais qu'elle reculerait un peu en tirant, mais non. On va se barrer. Du pognon. Merci beaucoup, Matt. Merci beaucoup pour ton deuxième... Ton sub tier 2, merci beaucoup. Ça fait plaisir, c'est gentil. 9 juin 1958. C'était mon premier jour de travail au château. Aujourd'hui... alors là, au niveau ponctuation, je viens de lire comme un élève de CP. C'est très très grave, je me reprends. J'ai été très étonné de constater que tous les domestiques étaient des femmes. La maîtresse et ses filles ont insisté sur le fait qu'elles ne mordaient pas. C'était pour le moins étrange. 23 juin 1958. Cela fait 2 semaines que j'ai commencé à travailler au château et j'ai un peu peur. Une autre servante, Adela, a commis un impair et mademoiselle Daniela lui a tailladé le visage avec un couteau. Et la nuit, j'entends des gémissements comme si des fantômes erraient dans les couloirs.
Je veux rentrer chez moi. 8 juillet 1958, je ne sais pas quoi faire. Les jeunes demoiselles se plaignaient qu'il faisait une chaleur étouffante pendant le dîner, alors j'ai entrouvert la fenêtre. Ferme la fenêtre, ferme-la immédiatement ! Montaigne cria à l'unisson. J'ai peur d'être emmené au sous-sol et que l'on ne me revoie plus jamais. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire. Bon. Merci beaucoup, Purple Posies, pour ton sub. C'est très gentil. Pas très commode, hein, avec le personnel ici. Autant vous le dire. Oh. Vous allez me revoir. Profitez-en, les mecs, hein. C'est parti. Ah. Je voulais tenter un truc. Ah, mais on peut pas, là? Ah, si. Du pognon. Certaines prestances, quand même, hein. Merci Brocoli pour ton prime, c'est gentil. Merci les gars. Bon, faisons les choses propres. Bon, je... Oui, ça s'ouvre pas. Un truc à ramasser. J'ai oublié un truc, ça va m'énerver ça. Ouais, j'ai perdu quelques petites images, les gars. C'est peut-être ça, si vous avez eu un petit coup de lag. Ouais. Je vois pas, là. Au pire, je reviendrai, c'est pas très grave. Je vais faire l'énigme, mais je vais revenir voir si j'ai raté quelque chose. Alors, je le fais vraiment pour économiser les balles, hein, mais... Je vais aller voir. Mais laissez-moi chercher, les gars, vous inquiétez pas. Me dites pas précisément où c'est. Je vais trouver. Je regarde au cas où. Ah. Ok, c'était ça. Allez, là, c'est la castagne, les mecs. Ce moment de la démo était bien stylé. Bon, quand même, à mon avis, Lady Dimitrescu, si, quand elle va sur UGs et regarde pas la catégorie femme d'homme, quand même, il y a un problème. Hein. Aide-moi, frère, j'arrive, Rouya. Je me souviens plus s'il y a un truc à choper, en fait. Regardez-moi ça. Ça, c'est dégueulasse, par contre. Il y a même les masses de cochons, hein, donc... Candidate Irina, Mihaela, Loïs, Ingrid, rejetée, Dandola, Greta, Nadine, Camélia, Bianca... Je crois que c'est le même nom qu'il y avait dans la toute première démo du jeu. Il y a des trucs à ramasser. On va faire ça dans l'ordre. Irina, appétit vorace. Mihaela, appétit vorace. Loïs, appétit vorace. Ingrid, instable, reprend parfois conscience. Ah. On parle pas d'humain, là, à mon avis. Allez, venez à moi, là. Ça va barder pour vous, là. Oh putain! Merde. Faut crever, hein. Oh.
J'ai une mine. Aïe. Oh putain. J'ai tenté un flick shot. Oh putain. Allez, prends-moi ça vite. J'attends vraiment le dernier moment hein, pour leur faire le plus de mal. Ok, parfait. J'ai envie d'utiliser ça. Je l'avais pas utilisé dans la démo. Mort. Parfait. Ingrid. Petit collier d'Ingrid. Il y en a encore ? Ouais, il y en a une. Elle me fait pas peur, hein. Oh merde, attendez, je recule. Ils sont dead. Par contre, quand même, les gars, on est en standard. Donc on est en normal, en gros. Ils prennent vraiment beaucoup de balles avant de crever, hein. C'est technique, hein, l'histoire. Et ok, j'ai oublié un trésor, apparemment. Oui, il y a eu des images de perdu, apparemment. Je suis désolé. Je pense que c'est la connexion. Ça m'étonnerait que ce soit le jeu. Non, je pense que c'est la connexion. Je checkerai après, les gars, on arrangera ça au cas où. Mais... je pense que c'est vraiment la connexion. Ok. Attendez, on était... du coup... on a oublié quelque chose ici. Oui. J'avais pas ouvert la porte. Ah putain, il y a encore autre chose. Il m'a fait peur, ce con. Dites-moi que c'est un trésor. J'ai pas envie de refaire toutes les salles. Si ça se trouve, je l'ai oublié pile au tout début du truc. Putain, les musiques par contre sont horribles. C'est peut-être quelque chose ici. Non, ça c'est la note. Regardons. Regardons bien dans les recoins. S'il n'y a pas un bousin qui brille. Hugo, on a peur, fais vite. Mais y a plus rien à craindre là, j'ai tué tout le monde. Ne vous inquiétez pas. Après, on peut y retourner plus tard, hein. Je suis putain. Je pense. Je pense qu'on peut y retourner plus tard. On reviendra plus tard, c'est pas très grave. Hop. Est-ce que tout est bien rechargé là? 2. Tac. J'ai plus beaucoup de munitions de pompe par contre. Hein. Là je peux me faire quoi? Je vais m'en faire. Je vais me faire un soin. D'autres munitions de pompe. Comme ça on est bon. Parce que là, c'est pas fini, hein.
Faut que j'aille vite. I can't believe Cassandra caused all this mess. Je laisse avancer, sinon on va me toucher. Et non, elle est là, cette pute. Oula! Allez, c'est bon. Your bullets cannot harm. Oh, le cri. You stupid man thing. What? My body, it's breaking. Putain de merde. Believe it. Not like that. Putain, mais il y a 10 ans entre chaque coup, c'est horrible. Ah bah c'était rapide. Comment ça tire sur la fenêtre? La fenêtre était déjà cassée, hein. Je peux la péter celle-là? Ah. Ok. Bon, je suppose que c'est du coup leur... C'est leur bête noire, ça? Par contre, je pense que j'ai raté quelques petits trucs ici. Je vais aller fouiller vite fait. Bon, si ça c'était le premier boss... c'était easy, hein. On vient d'où, nous? On était là. On a tout pris ici. Non, non, je suis pas en difficile, je suis en normal. Vu qu'on est en stream, je préfère faire du normal, comme ça c'est pas trop galère. Eh putain, il y a encore des trucs que j'ai oubliés. Ah. J'ai cru voir un truc, non c'est... Je vais fouiller un peu dans le coin là. Rappelle-toi la note, elles ont hurlé de fermer la fenêtre quand une servante a ouvert la fenêtre. Chapeau, chapeau. Oui, bah merci, j'ai compris. J'ai cru comprendre que c'était des vampires et du coup la lumière du jour était dommageable pour elles. Merci de me prendre pour un connard total. Oula, faudra refermer la petite texture, les mecs, ici. Bon, je pense que c'est juste avec ça. Hein. J'ai pas la clé pour. Mire de chapeau, chapeau. Ah, je vais rendre ça en plus, vous allez me trigger. Ah, le chapeau, chapeau. Ah, le chapeau, chapeau, j'aime pas ça. Ah, putain, les seins, par contre, là. Faut que je fasse un raccornichon, là, les mecs. Ça va pas du tout, ça me sert. Oh putain de merde, mais c'est... J'ai le pire chat de Twitch France là, je pense, hein. En tout cas en ce moment. Ça plus le 2 points et le 3, je pense que c'est le pire truc. Ah, oh les mecs, on va se mettre lourd là, le sang de vierge. C'est pour moi. Sanguis Virginis. Est-ce qu'il y a un truc? Attendez, mais c'est des sons de chez moi ou c'est des sons du jeu? Bon, à part quand c'est Alderiad qui le dit, ça me fait rire, mais sinon... Une autre servante a été envoyée au sous-sol. Son seul crime était d'avoir versé un peu de soupe. Tout le monde sait ce qui arrive quand on vous envoie là-bas, plus personne ne vous revoit. On vous vide de votre sang et votre âme est condamnée à errer à jamais entre ces murs. Je suis allé la chercher et lorsque je l'ai trouvée, la pauvre n'avait plus que la peau sur les os et elle était en train de ronger la carcasse d'un rat. J'ai peur d'être la prochaine. Eh ben ma petite. Ce n'est pas de tout repos. Hein. Compensateur de recul. Ah, parfait ça.
Oh là, par contre, il y a quelque chose qui me plaît pas. Oh, il y a quelque chose qui me plaît pas. C'est très très mal rangé tout ça. Hein. Le jeu, voilà. Ah, je suis complètement fou avec ça, mais c'est nécessaire d'avoir un inventaire bien rangé. Hein. Alors, hop, voilà, on le met comme ça. Comme ça, on va faire ça. Et on va mettre notre petit... On peut faire pivoter. C'est parfait. Voilà. Là, c'est bien rangé. Là, on est beaucoup mieux ensemble. Crochet. Écoutez, je vais crocheter tout de suite ça. Ah, dans les... Dès qu'il y a un inventaire dans un jeu, je suis forcé. Je suis désolé, les gars. Mais ça risque d'arriver souvent. Ange en bois. Bon, je check à chaque fois parce que souvent il y a des trucs à trouver dans les... sur certains treasures, mais là, j'ai pas l'impression. Ok, parfait. Donc ça, c'est la salle qu'il y avait dans la démo, en plus. Sanguis Virginis. Je laisse ouvert à chaque fois, hein, parce que comme ça, je sais que je l'ai fouillé déjà. Pas très discret ça par contre. Putain, c'est de là qu'on vient. Bah, j'ai déjà tout pris, je suis le boss. Je joue pas à Tarkov alors, justement, j'ai joué à Tarkov. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai arrêté, parce que je passais trop de temps dans l'inventaire à tout bien ranger. Hein. J'ai combien de sous sur moi? 3420. J'ai 4 fragments de cristal. Ça doit se revendre cher aussi quand même. Et j'ai le buste se revend. J'ai le verre. Collier. En fait, tous mes trucs se revendent là. Quoique, attendez, que je fasse pas de bêtises. Parce qu'il y avait un socle. Il y avait un socle. C'était où? C'était à l'étage, non? Je me rappelle plus. Attendez, je vais aller voir. C'est ici, je crois. Ouais. Voilà. Parce que si j'avais vendu ça, je pense que j'aurais été dans la merde. Clé de la cour. Parfait, ça. Et là, du coup, il y a des choses que je n'ai pas encore visitées. La bouteille ne se vend pas? Ok. Les objets clés se vendent pas? C'est une bonne nouvelle, hein, parce que je risque de faire la bêtise une fois. Hein. Il te faut une sphère aussi. Ouais, pour le jeu qu'on a vu tout à l'heure. Je vais revendre tout ça. Il y a moyen que j'augmente mon inventaire, du coup. We meet again. Duke, why are you here? Where there's coin to be made. Trop stylé, lui. And have you found your daughter? No. If she is truly here, the lady of the castle would have kept little Rose in her private chambers, would she not? Domitresque? The very same. Why don't you take a look? Maybe you'll get lucky. And speaking of looking, care to make a purchase? T'oublie pas les affaires, toi, mon cochon. Alors, la bourse. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ça c'était stylé quand même. Ça me fait chier de le vendre. Ça vaut combien? Ça vaut 5000. On va le vendre. Le vert. Le vert à 20 couleurs sans Dimitrescu. Allez hop, on vend toute cette merde. Ingrid, on vend 25 000 boulas, les mecs. Hop, on prend ça. Comme ça, j'ai un plus grand inventaire. Ça, c'est quoi? Chargeur grande capacité. Élément pour un fusil. Augmente grandement la capacité de tir. C'est mon pistolet, le Lemmy. Attendez, j'ai un doute. Have a wonderful... Naturally. Ok. C'est 8K quand même. Hein. Non, c'est 9K. Faire des mines. Peut-être. Attendez, je vais voir ça d'abord.
Ouais, c'est ça que je vais faire. Puissance. Puissance. Allô ? Voilà. 4000. Et je reprendrai le reste plus tard. Ok, alors clé de la cour, c'est où ? Je suppose que c'est pas là. À mon avis, c'est avec l'énigme, ça. Vous me disiez qu'il y avait des images de perdu tout à l'heure. Ce qu'il y a, c'est que je vois sur mon OBS que c'est via OBS. Enfin, c'est via le réseau. Donc, à mon avis, ça vient pas du PC. Hein. Hugo, c'est normal d'avoir du désir pour toi. C'est possible. Franchement, aujourd'hui, je vous l'excuse, les mecs. On m'a déjà dit que j'étais mignon, mais alors là, c'est possible. Non, il n'était pas dans R7, le vendeur. Il n'y avait pas de vendeur dans R7. Non, ça doit être là-bas, la cour. Shall I give you the tour? Ah, sale pute! Sale pute! Oh. Elle est goulue, hein? Mother said stale, but I think you're delicious. Merci. Elle va me bouffer le cul, hein, littéralement. Elle peut pas rentrer là, genre. Ok.